Barcelone joue pour la première place. Si les Catalans gagnent à Vigo, ils passent leader devant l'Atlético et le Real Madrid. Mais jouer à l'Estadio Balaïdo, c'est toujours difficile. Barcelone, l'an passé, avait été humilié ici 4-1. Le Barça avec donc comme titulaire Mathieu, André Gomes, Arda Turan ou encore Rafinha. Rafinha, la tête de Luis Suarez, Arda Turan encore, Luis Suarez et Sergio Alvarez. Un assiste aussi un peu éloigné, encore une perte de balle. Une perte de balle là sur la relance pour Barcelone avec Iago Aspas direct, c'est bien joué. La passe pour Sisto, contrôle, enchaînement de Sisto, tir croisé. Ter Stegen est battu avec ce très beau but. D'énorme erreur défensive des Catalans au départ et ensuite le collectif du Celta. 1-0 contre Barcelone. On part maintenant, le Barça est en train de chavirer. Iago Aspas, il a des appels multiples, il va y aller seul peut-être. Angleterre de Iago Aspas, c'est Ter Stegen. Mais ce ballon en corner. Et encore un dribble tenu en échec, Luis Suarez. Par Cabral. Hein. Et attention, parce que là, ça peut aller. Ah, Iago Aspas en provocation face à Gérard Piqué. Face à Busquets également, il y a un appel croisé. Iago Aspas, la frappe, Ter Stegen a été encore un petit peu trop court, le tir. À nouveau croisé, fait mal à Barcelone. 2-0 pour le Celta, grâce à Iago Aspas. Encore une fois, contre le Barça, attaque, les latéraux sont trop écartés. Attention encore, oh là là, Piqué, et le Barça a déjà mené 2-0 à la demi-heure de jeu, avec maintenant Daniel Vaz. Quel ballon de Daniel Vaz contre son camp, cauchemar pour le FC Barcelone, 3-0, Jérémy Mathieu marque dans son propre but, le Barça est en pleine déroute. À la rue. 32 minutes, 3 buts, mais surtout l'agonie, la souffrance et la méconnaissance totale d'avoir un adversaire. André Iniesta, le sort, il est bon d'Iniesta, la tête de Gérard Piqué. Barcelone revient dans son match, à peine l'heure de jeu, l'espoir rejaillit pour les Blaugrana. Iniesta. La passe, quelle passe d'André Iniesta, l'homme contrôle et main enchaînée derrière pour André Gomes, mais il a été pénalty, 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 il a soufflé. Pénalty pour Barcelone, après cette faute sur André Gomes. Et attention, il va lui mettre à Goma, et oui. Neymar, face à Sergio Alvarez, il arrête sa course d'élan, le Brésilien le contre-pied est réussi, Barcelone a été mené 3-0, voici maintenant les Catalans revenus à un but du Celta Vigo. Aujourd'hui Busquets, pour moi Busquets c'est un extraordinaire joueur, mais ce soir il a été... Oh, l'erreur de Ter Stegen et le quatrième but pour le Celta. Pablo Hernandez y a cru jusqu'au bout pour aller contrer le gardien allemand. Nouveau rebondissement dans ce match. Le Celta reprend un écart conséquent. 4-2 pour l'équipe de Berisso. Quelle erreur! Quelle erreur de Ter Stegen! Accroché, retenu. Oh. Denis Suarez, il entre maintenant dans la surface. Très bon centre de Suarez. Et Barcelone revient encore. Piqué. Gérard Piqué pour une nouvelle tête. 4-3. Raymond Tada à nouveau en cours pour Barcelone. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Paco Alcacer derrière. Denis Suarez, Arda Turan, le centre d'Arda Turan, il est bon. La tête de Neymar à côté du but de Sergio Alvarez. Voilà, c'est peut-être la dernière occasion maintenant du match. La dernière poussée du Barça, menée par Neymar. Deux joueurs éliminés par le Brésilien. Et Mathieu met ce ballon en touche. Et le coup de sifflet de Vicandi Garrido. Quelle soirée incroyable à l'Estadio Balaïdos. Le Barça chute, le Barça perd 4-3. C'était incroyable, le Celta a mené 3-0, le Celta a mené 4-2. Barcelone y a cru, mais au final, l'équipe de Luis Enrique chute. C'était une soirée complètement folle.